Les Chartrains, mais les Français en général, vivent avec le monde associatif. Les Chartres, c'est une ville-préfecture, il y a plus de 1300 associations. Au quotidien, c'est l'associatif. Bien sûr, il y a toutes ces infrastructures, il y a les entreprises, mais à un moment donné, les gens se rassemblent et c'est l'associatif qui fait ce lien. C'est les gens eux-mêmes qui le construisent. Nous, on est des facilitateurs. Et moi, j'aime ce temps fort parce que le milieu associatif, c'est des associations différentes. Vous avez des associations culturelles, dans le sport, le caritatif, dans tous les domaines. Alors, il y a des grosses associations qu'on aide fortement par des équipements sportifs, culturels. Vous voyez, là, on vient de faire le off pour les associations qui sont dans le domaine de la culture, notamment le théâtre. C'est un investissement, c'est 5 millions d'euros. Mais derrière, ça va avoir une représentation beaucoup plus forte que des petites associations. Pour le sport, il y a des équipements monstrueux. Regardez, le Colisée, demain, c'est 50 millions. Donc, il y a différents types d'aides. Il y a ces investissements, il y a des budgets de fonctionnement parce qu'on les accompagne. Donc, tout type de formule. Il y en a qu'on ne connaît même pas. Ils se débrouillent tout seuls parce que, au départ, l'associatif, quand même, c'est une structure qui doit s'auto-suffire. Et puis ensuite, eh bien sûr, il faut aider, mais tout ça, il faut que ça soit réaliste et puis sérieux, parce que souvent, c'est de l'argent public, c'est des moyens publics, mais c'est ce qui fait le côté agréable d'être élu dans une ville-préfecture qui a des moyens avec une population qui vraiment est très active en matière associative. Nous avons la chance à Chartres d'avoir aujourd'hui ici sur le Salon des associations 172 associations, ce qui n'est pas négligeable. Bien évidemment que tout le monde ne peut pas être représenté sur le Salon des assos, mais en tous les cas, on a les associations les plus représentatives au niveau des adhérents, au niveau de la participation sur l'animation de la ville. Et quand on voit cet engouement au niveau associatif qu'il y a sur la ville de Chartres, bien évidemment que pour nous, c'est que du bonheur. Et il faut savoir que nous, sur le tissu associatif, on est à peu près à 4 millions d'euros, 4 200 000 euros à l'année en subvention sur le tissu associatif sur la ville de Chartres. Et je ne connais pas, franchement, de ville avec un équivalent habitant comme Chartres qui met autant d'argent sur le monde associatif et sportif, bien évidemment.